Et oui, bonsoir à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo d'échecs. Aujourd'hui, en fait, je vous propose, enfin, je vous propose, c'est plutôt l'ordinateur qui propose un problème, le problème du jour. Donc, pour les amateurs d'échecs, vous connaissez les règles, hein, je n'y reviendrai pas. Trouver le meilleur coup, comme c'est indiqué, hein, trouver les meilleurs coups pour les noirs, donc c'est aux noirs de jouer, puisque les blancs viennent de jouer, ils viennent de déplacer leur roi en case C7. Donc, il faut essayer de trouver le meilleur coup possible. Bon, j'ai une petite idée déjà, mais est-ce que ça peut être mieux? J'ai une proposition de coup, à savoir la tour si elle vient sur cette case-ci. Est-ce que ce serait pas mal sur la case C6? Comme ça, il mettrait le roi en échec. Mais ça change pas grand-chose parce qu'une fois que la tour sera là, le roi pourra se déplacer ici. D'ailleurs, c'est sa seule case de fuite. Y a peut-être autre chose que je n'ai pas vue. Ce qui serait marrant, admettons que si le roi se déplace ici, non, ce n'est pas bon. C'est un problème qui paraît très simple comme ça, mais peut-être pas finalement. On a une qualité de plus. Bon, on a trois pions en moins. On a une qualité de plus. On a le fou. Donc, j'ai une petite idée. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un sacrifice là-dessus? Admettons que si je fais tour échec et que le roi prend ma tour, est-ce que ce serait pas mal? Pas évident, hein. Écoutez, je vais tenter quelque chose. Je ne sais vraiment pas si c'est un bon coup, mais il n'est pas mauvais, ça c'est certain. C'est peut-être un bon coup si je déplace ma tour ici et que je fais échec, puisque la tour met en échec le roi et la tour est protégée par le fou. Donc on va voir. Et non, c'est pas bon. Et quand je vois le niveau du problème, effectivement, c'est un problème à 2013 points Elo, donc c'est quand même très fort. Bon, on va réessayer le problème. On a une seconde chance. Et c'est peut-être un sacrifice qui paraît incroyable de faire échec peut-être. Mais est-ce que ça va nous aider? Non, peut-être pas. Autre possibilité. Si je déplace ma tour ici par exemple. Ça ne servira à rien. Par contre, un coup qui est possible, c'est monter la tour ici. Non, toujours pas. Bon, c'est perdu. On avait le droit de chance, donc on abandonne. On va voir la solution. Donc, qu'est-ce qu'il nous proposait? Oui, ça c'est parfait. Ensuite, échec. Bon, fou prend. Roi prend tour. On va voir si roi prend tour ou fou prend tour. Moi, je dirais roi prend tour. Non, fou prend tour, pourquoi? Ensuite, mat. Voilà, échec et mat. Pas évident, hein? Pas évident du tout.